Mais je suis en train de penser, mais chaque jour, en fait, c'est une séance de 20 minutes à chaque fois. Ouais, on doit être à beaucoup plus que l'épisode 30, que l'épisode 30. Quand même pas, mais que l'épisode 3, en fait. Bon, allez, hop. Bon. Que dire? Qu'est-ce qu'il me manque là? Faut que je fasse le tour de ce qu'il me manque. De toute façon, j'allais rechercher du... Ouais, ce qu'il me manque essentiellement, c'est du... C'est du copper. Donc, ce que je vais faire... J'ai rien ici. Non, j'ai rien. Et là-dedans, non plus. J'ai un peu de copper là. C'est bête, j'aurais pu le mettre à cuire. Enfin bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le bilan de ce qu'il me faut. Et je vais aller me rechercher de la lave pour les... Pour mes... pour ma query. Voilà. A tout de suite. Ok, donc on se retrouve. Peu de temps... Enfin, voilà, un bon bout de temps après quand même. Ouh, c'est beau ça. On se retrouve un bon bout de temps après. Donc j'ai réfléchi, donc j'ai regardé un petit peu les différents modes, ce qu'il y avait. On va changer un petit peu de stratégie. Trop fort rien, hein, vous allez voir. Bah, vous avez dû le voir là si vous avez regardé ce que j'ai tapé en dernier. Donc simplement, on va procéder autrement. Donc là je suis en train de me refaire cuire de l'iron parce que j'en avais plus. Alors j'ai réfléchi pour l'énergie nécessaire en fait. Donc on va utiliser des RF hein, dans tous les cas. Donc j'ai regardé, puis je me dis ah c'est con, on a pas mal de lave. Ça serait sympa de pouvoir s'en servir un petit peu comme on veut. Donc on va se servir de ceci, un lava générateur. Ça coûte pas trop cher à créer. Et donc son utilité, voilà, hein, ça crée des RF en utilisant de la lave qui peut être... ah non, qui doit être utilisée sous la forme de pipe. Bon, bah, ça c'est pas trop un problème. Donc voilà, donc on va avoir ça. Et on va aller de temps en temps recharger ce truc-là avec un... c'est dans les tanks. Voilà, un portable tank. C'est pas très compliqué à créer. Il faut juste encore un peu de copper. On en a. Voilà. Et pourquoi j'ai utilisé cette technique-là? Parce que c'est beaucoup moins consommateur en copper que ce que je comptais faire avec l'engine qui demandait des copper. Ouais, beaucoup de copper quoi. Donc voilà, donc ce sera ça. Donc on aura un tank voilà, et puis on pourra le recharger en bas et venir ici simplement le recharger. Voilà. Ok. Jusque là tout va bien. Jusque là tout va bien. Cobble, mais bon. Donc voilà, donc je suis en train de faire cuire de l'iron pour me faire le bloc qu'il me manque. Est-ce que c'est le seul truc qui va me manquer? Je peux déjà éventuellement commencer. Commencer à me faire hop, ça. Les deux redstone. Le furnace. Et il manquera le bloc de... le bloc entre les deux. En attendant, ici... ici, j'ai réfléchi, mais en fait, j'ai dit une petite bêtise. Pas grand chose en bêtise, mais non, attendez, hop, ça je jette, j'en veux pas. Ça, je vais mettre ça à la place de ça aussi. Bah, simplement, tac. Alors, le tank, je vais le mettre ici. Le contrôleur au milieu et ça, j'espère le mettre dans le bon sens.
il est dans le bon sens, avec le faucet par-dessus. On est d'accord, ça je vais le supprimer. Ok, donc ici j'en ai 3 là, 2, 3, et quel con, je me suis planté, je vais tout casser, je vais tout remettre. Voilà, les 7 là, hop, vont venir en réalité ici. Et ici, ensuite on va avoir le ça ici, ça, ensuite on va avoir le tank, on va avoir le faucet. Le tank ici et le faucet ici. Est-ce que je peux bosser tranquille s'il te plaît? Et toi passe-moi tes os, j'en ai besoin pour le bois. Tu m'en as donné? Gros radin. Non. J'ai dit non. Et le bois. Ok, donc jusque là. Donc pour le moment, voilà, on a notre smelterie. Il va juste nous manquer 9 blocs encore de smelterie. Et ça devrait faire l'affaire. Normalement, ça devrait faire l'affaire. En soi là c'est parce qu'à mon avis il n'y a pas ce niveau là, il doit pas comprendre, mais voilà. Une fois qu'on aura les 9 blocs manquants, ça sera fait. Quoi qu'il en soit, là on va avoir notre bloc. Oh, c'est pas possible. Mais vous sortez d'où les mecs? Ouais bah vous sortez du spawn naturel, j'ai rien éclairé du tout en même temps. Va vraiment falloir que je pense à éclairer dans le secteur quand même. Bah je vais faire ça. Passe-moi du bois. Ouais, bah, évidemment ici c'est pris. Attendez, je vais juste faire un aller-retour rapidement. Est-ce que tu pourrais courir s'il te plaît? Là, on va le ramener. Oui, plouf, allez. Tiens, et pour la peine, tu resteras. Allons-y, alors. T'es où? T'es là. Voilà, lava générateur. On aura déjà ça. On va le mettre là pour le moment. Voilà. Ouais. Bon. On verra bien comment ça se comporte. Ensuite, un peu de bois. Juste ça. Pour faire quoi d'ailleurs? Je sais plus ce que je voulais me faire. Une pelle. C'est ça. Je voulais me faire une pelle. Parce que j'en avais plus.
m'échappera pas. Donne-moi tes os. On empêche la lave, ça alimente bien hein, le... Attendez, je vais juste éloigner un peu mon micro de ma bouche. Ça marche bien la lave pour alimenter le... ce qu'il me faudrait, c'est un moyen de générer de la lave. Je sais qu'il y a un moyen de générer de la lave à partir de la cobble. Faudrait que j'y regarde si on a le ce qu'il faut pour. Je veux me le faire. Dis-moi que tu m'as donné. Oui, tu m'as donné une enderpearl. Oh putain, il faut que je me débarrasse d'un truc. Ça, je m'en fiche. Bon, j'en ai qu'une malheureusement. Ça, je vais pas aller loin avec ça, mais c'est déjà ça. Un bébé zombie là-bas. Ouais, je vais pas m'en approcher. Bon, il va nous falloir des coffres. J'en avais déjà. C'est parce que je les voyais pas. Alors. Attendez, non, c'est ça, espace plus clic. Ah, ouais, bon, rends-moi les buquettes. En chercher tout à l'heure. Bon, on a déjà le lavage générateur. Ce qui va nous falloir à présent, ça va être les tanks. Donc les tanks, c'est pas bien compliqué. Je vais prendre un peu de copper, le faire fondre. Et ça y est, on a 64, ce qui signifie que le charbon, je peux commencer à le remettre là-dedans. Non. Voilà. J'ai pas de sable. Il va me falloir du sable. Du sable. Non. Un sable, ça m'ira pas. Il me faut tout un stack. Parce que des portable tanks, on va pas s'en faire qu'un, on va s'en faire plusieurs. Donc portable tank. Non, ça ce sont les tanks basiques. Portable tank, c'est simplement comme ça. Ça peut être bien compliqué à créer. Ah oui! Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce truc-là. Ouais, c'est vrai qu'on peut avoir accès d'ici. Ce qui est pas con en soi. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Mais on a le. Et donc. Ouais. Bon. On va avoir ça. Il nous faut juste 4 de bois. M'en douter, c'était ça que j'attendais. Il suffit que j'y pense pour que ça pousse. Le jeu est complètement relié à mon esprit. Bah oui. L'arbre il pousse, il te met une bifle là. Normal, tout va bien. Tout se passe bien. Hostile la nature. Bon. Allez, hop, un premier portable tank. Qui peut contenir 8
8 comment 8 sauts à lui tout seul. Donc autant vous dire que bah, ça va être génial. On va vraiment pouvoir se faire l'énergie qu'on veut avec ça. On va commencer à creuser en dessous. Attendez, que je dise pas de bêtises. Il nous faut une zone de 9x9. Donc toi tu vas toucher, tu vas te mettre là. Toi tu vas pousser. Ok. Voilà. Ok. Et ici, on va mettre notre planteur. Notre planteur que j'ai oublié en haut. Ok. Donc là, on est bien. Pour le moment, il va avoir une zone de 3x3. Ça va être suffisant pour ce que l'on veut pour le moment en production. Le harvester, on verra plus tard. Même si c'est bien de voir les deux en même temps. Donc ça c'est bon. Eh ben écoutez, maintenant qu'on a notre tank, déjà, moi ce que je... ouais, il nous en faudrait un deuxième. C'est pour ça que j'attendais. Donc... Voilà, comme ça on va avoir nos deux tanks. J'ai mes sauts sur moi. Oui, même si un seul me suffira. Ok, bah écoutez. Petite coupure. Hop, voilà, vous n'avez rien vu, rien entendu. J'arrive ici, j'ai posé mes deux tanks ici. Et mes sauts, ils sont là, ils sont beaux. Ah oui, normal. Ok. Attendez, juste que je m'organise un petit peu mieux que ça parce que sinon... Ok. Ok. Donc lui, c'est bon. Lui... Ah oui! Ah oui, il me faut une wrench pour les récupérer. Aïe, 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 aïe. Ok. Bon, ça fait rien, je recommence. Bon, j'ai perdu un petit peu de lave, mais c'est trois fois rien. Il me faut une wrench pour les récupérer. Bon, quoi qu'il en soit, je vais... Hop. Hop. Ah zut. Ok, je vais juste aller me chercher une wrench. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Une wrench. C'est pas celle d'appuyer d'énergie stick qu'il me faut. Un
Industrial Craft. Ouais, celle-là, j'ai ce qu'il faut pour la faire. J'espère qu'elle m'ira. Allez. Recoupure. Voilà, bon, la wrench, j'ai envie quand même d'essayer de voir si ça marche directement ici. Donc je vais me faire un troisième tank. Que je vais placer comme ça. Et est-ce que... Alors, ok, et puis là, ok. Donc là, ça marche. Faut juste que je fasse un shift-click pour... attendez, je vais quand même essayer. Tout bêtement... Si je mets un peu d'eau et que je fais un shift click, là je récupère et je récupère avec de l'eau. On est d'accord. Donc là c'est censé marcher. Je vais juste récupérer le seau d'eau. Le remettre. Mais dégage! Laisse mon lavage générateur tranquille. Hop. Attendez, et je vais en profiter pour un truc. C'est quoi ce truc? Liquid essence. Ok. La liquid essence. Je sais pas à quoi ça sert. Voilà, ça c'est fait. Oui, j'ai raboté un petit peu le dessus également, hein, de façon à arrêter de se cogner, même s'il y a deux endroits où on se cogne encore. Ça avance, ça avance. Allez, 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 on y retourne. Recoupure. Hop. Ok, donc ici, on les récupère. Shift, clic droit, shift, clic droit. On va en profiter pour remplir le troisième tant qu'on est là. Ça nous évitera un aller-retour supplémentaire. Hop. Non, arrête de faire n'importe quoi toi. J'essaie de trouver les sources là qui peuvent poser problème. Ok, bon, j'ai 4 sources d'ici. Ok, est-ce que j'ai de la cobble sur moi? Ouais. Donc là, si je comprends bien, je peux faire un trait ici. Voilà, pour continuer à vider les sources qui sont là. Ok. T'es con ! Bon bah je suis mort. Oh putain, j'ai tout perdu. Oh le con. J'en ai marre. Oh le con. Oh c'est pas possible. Oh c'est pas possible. Oh putain, bon ok, je coupe, je recommence tout. Oh c'est pas possible. Bon, à tout de suite. Ok, donc eh ben nous nous retrouvons entre deux, j'ai saturé mon disque dur, donc résultat, on se retrouve un peu plus tard. Donc là, à l'endroit de ma mort, comme un idiot. Sauf que j'ai vu un truc, c'est qu'on a un mode tombstone. Donc on va pouvoir récupérer notre stuff, normalement, il n'a pas brûlé dans la lave en réalité. J'y ai cru. Mais...
Mais en fait, non. Hop, ok, j'ai tout récupéré normalement. Hop, je vais remettre ça. J'ai un tank, j'ai deux tanks. Ok, nickel. J'ai mes deux tanks. J'ai trois sauts de lave sur les quatre. Pourquoi est-ce que ça coule encore ici? Ça devrait plus couler. Enfin bon. Ok, donc. Hop. Et 8. Ok. J'ai le... Voilà. Ok, bon, on a 3 tanks de lave. Et puis, bah, on est reparti. Non, c'est pas par là, c'est par là. J'ai ma bouffe. Nickel. Voilà. Bon, bah écoutez, bah on se retrouve de toute façon là-haut. J'ai fait quelques tests encore en créative entre deux, étant donné que j'étais en train d'encoder mes vidéos. Donc voilà. Bah je coupe et je vous retrouve à l'autre bout, quoique je dois être pratiquement arrivé. Encore un peu plus loin. J'ai passé. Je l'ai passé, je l'ai passé. Et si mon chat veut bien arrêter de gratter? Bon, écoutez, je retrouve la sortie. Et puis je reprends après. Ok, donc on arrive en haut. Bon, il fait nuit. Ok. Bon, bah c'est parti. Alors, j'ai un doute, j'ai même un très gros doute. Mais est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux directement le mettre dessus? En mode extraction, ça a l'air de marcher. Bon, bah, ça a l'air de marcher, c'est cool. Commence même à se remplir assez vite, mais bon, pour le moment, de toute façon, on va le couper. Ok, Tayo. Tayo. Bon, ok, pas très préparé pour ça. J'ai plus ma table de craft ici. J'ai plus rien d'intéressant ici. Ok. Est-ce que dans mes... J'ai pas une... Non, j'ai rien pour... qui puisse me permettre de courir plus vite ou un truc comme ça. Non. Bon. Bon, en attendant qu'ils arrivent. Aluminium, non. Ah bah je vais le faire sur moi, je suis con moi. Ok, juste une, voire deux épées, comme ça on sera tranquille pour un petit bout de temps. Ça, tu me le rends. Et on va y retourner leur casser la tronche. Ils se sont pas planqués là, j'allais dire. Ok, résultat, ils ont refait demi-tour. Et ça me consomme de la bouffe, ces conneries.
Allez, venez là. T'es où? T'es là. Tu sais pas vite. Oh l'enfoiré, comment t'as fait ça? Eh enfoiré. J'espère que tu m'as donné des os. Bon, toi, amuse-toi. Ok. Bon. Ouais. On va refaire que du rubber band. C'est pas un problème. Ensuite, alors, ici, je voulais crafter. J'aurais pu en profiter d'être en bas pour crafter ça, mais ça ne fait rien. J'ai du gravier ici. Ok. Ouais, c'est vrai que j'avais des pipes ici. Bon. Lui, il est presque fini d'être chargé. Ça, on va peut-être les remplacer pour pouvoir les alimenter avec les... avec des générateurs comme ça. Quoi que pour le moment, on s'en fiche un petit peu, mais bon. Hop. On va réalimenter ça. Voilà, c'est juste pour moi, histoire de gagner un petit peu de temps. Bon, j'en gagne pas énormément, mais au moins, voilà, ça m'évite de me faire... Je divise au moins par deux mes trajets pour alimenter, même plus que ça, vu que j'ai trois tanks. Et tu restes sage, toi. J'ai un chat qui vient de rentrer dans ma chambre. Bon, voilà, donc ils vont... ouais... C'est reparti. Bon. Il va faire des conneries, je sens bien. J'ai un chat qui est complètement dissident. Bon, on s'en fiche un petit peu. C'est pas lui le protagoniste de l'histoire. Bon. Coupure chat. Quand j'aurai défoncé ces squelettes. Ah, c'est pas vrai, hein. Bon. Je suis désolé, mais... Je sais pas ce qu'il a. Bon. Normalement, il se décharge pas. Hein. Alors le problème, c'est qu'apparemment, il y a des pertes quand on ne s'en sert pas. Mais bon, c'est pas encore trop grave. On va s'en contenter. Oh, on a de la redstone qui arrive. On a de la redstone qui arrive. De l'abyssal stone. Pas de charbon là-dedans. Par contre, on va voir des trucs sympas. J'ai le Groot sur moi. J'attends juste que mon rubber bar ait fini de fondre. Bon, en soi, on pourrait plus simplement un deuxième four. Ok, on va prendre un petit peu de charbon. Voilà, et
Qu'est-ce que je devais faire fondre? Le Groot. Voilà. J'ai plus de Shared sur moi, de toute façon. J'ai encore une brique ici qu'on va poser. Je sens que je vais sortir ce chat. Juste une seconde. Voilà. On sera un peu plus tranquille. On peut jamais être tranquille. Ah oui, et puis pareil. Attendez. Bah ils sont où mes sauts? Ah ouais, ils sont déjà dedans. Ah, oh, je suis bête moi. Bon bah on va attendre un petit peu les sauts, c'est pas un problème. C'est pas trop grave. Ou alors. Ouais lui. Ouais, donc il a vidé toute sa lave mais il se décharge pas. Donc on l'a chargé et quand on aura de quoi le faire fonctionner, au moins on aura ce qu'il faut. Est-ce que si je te fais ça, est-ce que tu vas te vider dedans? Tu te vides dedans, t'es nickel, t'es impeccable. T'es nickel, t'es beau. Et ben voilà. Et ben voilà. Il reste plus bah, qu'à remplir ça. Avec le Groot qui manque. Enfin avec le Groot, avec les trucs qui manquent. Ouais, fais-moi cuire ça, ouais, tant qu'on y est, hop. On en a deux de plus. Ça, c'est nickel. Ça, je m'en fiche. Il a neigé dans ma smelterie. C'est intolérable. Non, c'est pas, ça veut pas partie de la smelterie ça. Ok. Une de plus. Deux de plus. Mais... Dégage toi. L'autre, elle a dissidence et j'y crois pas quoi. D'ailleurs, t'es pas censé cramer au soleil, toi? Ok. J'ai bien fait de refaire cuire un peu de bouffe parce que je sens que ça va... Ouais. Ça a commencé à manquer. Bon, il en reste que 3 à avoir. Il en reste que 3 à avoir. Est-ce que j'en ai mis assez? Oui, largement. Il va me rester 2 Groot, mais de toute façon, ça sert à rien d'autre. Donc, allez, hop, fais-moi cuire tout. J'ai un doute. Ça peut servir à rien d'autre. Faisant cuire, ça donne du charade. Ah, ça peut servir à autre chose. Ça peut servir à faire quoi? Fast Aid Groot. Ouais. Ça sert pas à grand chose quoi. 222 utilisations. Ouais, c'est sympa mais. Bon allez, hop. Allez. On y est. Bah non, j'en ai pas assez. J'en ai carrément pas assez. Il va encore falloir me falloir du. Il m'en faut encore.
8 au total, donc 6. Il m'en faut encore 6. Bon, bah, j'allais dans l'océan. Je vais juste débarrasser de ce qui ne me plaît pas. Ah, ça, j'en... Ouais, on va en mettre après. Ouais. Ça. On sait pas, on verra. Bah, je peux en mettre 8, hein. Maintenant que le charbon il est parti. Voilà. Normalement, le Raoult Rubber. Je peux pas l'avoir comme ça. Mais le Raoult Rubber, normalement, je peux pas l'utiliser à. Je peux utiliser un sticky piston pour faire des rubber bars. Ah! C'est quoi le truc avec les underpearls là? Non, c'est juste. Ah, je peux m'en servir comme carburant. Comme carburant? Non! Ben, j'essaierai. J'essaierai. Si ça peut être aussi efficace que le charbon, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, est-ce que j'ai une torche sur moi? Non. Il va me falloir une torche. Une torche. Par ici. Et on est... Parti, j'ai ma pelle sur moi, tout va bien. J'en ai où? J'en ai là. Ok. Bon, je me suis refait un filon. Allez, hop, et là, on remonte. On remonte, vite, 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 vite. Et bon. Ok. Donc du Groot, du Groot, du Groot, du Groot. Toujours la même chose. Alors, j'ai mon gravier, j'ai mon sable et j'ai ma craie. Et bon, on va pouvoir en faire pas mal en plus. Tu me vires le bâton, s'il te plaît. Et on a du Groot. On a même beaucoup de Groot. On va pouvoir même l'élargir le quand on en aura l'occasion. Ça pourra toujours servir. Alors pourquoi la smelterie est très importante? C'est parce que tous les ors qu'on mettra dedans, ça nous sortira 2 lingots à chaque fois. Je vais déjà commencer éventuellement à faire ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut, c'est pas grand-chose. Les boucs, le bouc il est là. Le bouc il est là. Alors, à ce que j'ai compris, il va nous falloir de l'aluminium brace. Donc qui se fait avec 3 aluminium et un copper. Rien de bien compliqué. Et avec ça, on va pouvoir faire nos patterns. Mais le pattern que l'on veut, ça va être simplement. Je vais pas m'amuser à faire une pioche à. Les pioches overcheatées, ça m'intéresse pas plus que ça. Un mode que j'aurais bien aimé avoir, c'est le mode pour le Vajra.
Malheureusement, apparemment, on ne l'a pas. Donc, eh ben, on s'en passera. Et sinon, il y a le mode Power Suite que j'aimerais bien explorer. Attendez une seconde, voilà. Donc, aluminium bras, j'ai dit aluminium et copper. Aluminium et copper. Du copper, on doit en avoir dans le secteur. Copper, on en a un, et de l'aluminium, du tin. L'aluminium, c'est vraiment pas ce qui manque. Même si j'en ai pas là. Si, aluminium. Donc j'en ai un, donc il m'en faut trois. Il va me falloir 3 et il va me falloir un lingot. Ah ben c'est nickel tout ça, c'est nickel. Donc je garde ça sur moi pour le moment. Je garde ça sur moi pour le moment. Et là, on va pouvoir poser les derniers blocs qui nous manquent. Voilà. Et là, normalement, si je clique droit dessus, voilà, c'est parfait. On va pouvoir y mettre les trois aluminium, le copper, dans un premier temps. Et on va pouvoir mettre également. On va pouvoir également y mettre le fer ici pour se faire un lingot. Enfin, pour se faire en fait le pattern d'un lingot. Donc, à ce que j'ai compris, ça se fait avec de l'aluminium brass. Donc là, on va avoir 6 lingots tout de suite d'aluminium. Voilà, 6 lingots d'aluminium. Et on va avoir 2 lingots de copper. Ce qui va faire beaucoup. Ouais, ce qui va faire trop en fait. Bon, ça fait rien. Ça pourra toujours servir à autre chose. Excusez-moi, mais je m'occupe d'autres choses en même temps. Voilà. Ok. Bon, voilà. Et donc, on a du molten aluminium brace. Et si je fais un clic droit, voilà, on va avoir le pattern pour faire des lingots. Voilà. Ça, dans un premier temps. Ensuite, alors, il nous fallait de l'invar. Donc c'est la priorité que l'on va faire. Donc on va faire de l'invar. De l'invar. Si on regarde dans notre smelterie, induction de smelterie, ça se fait avec de l'iron et du ferrous. Le ferrous, je crois pas qu'on en ait là-bas, mais par contre on a de l'iron. Plutôt que de fondre les lingots d'iron que l'on a, on va fondre simplement cet iron là, d'un premier temps. Et le ferrous, est-ce qu'il nous en a chopé ou est-ce que je dois redescendre? J'ai 2 ferrous. J'ai pas regardé les proportions. Il va me falloir les proportions. Redstone, Pulverized Z, induction de Furnace. Alors apparemment c'est un ferrous pour 2 iron dust. Et ça nous en fait 3. Ah oui, mais en. Voilà. Ouais, ça nous en fait 3. Ouais. Il m'en faut que 3 de toute façon. Donc, ouais, mais bon, ça va être doublé dans tous les cas. Donc, bah, c'est parti. Donc, le molten, on peut le laisser. On va avoir donc le. Alors, il va nous falloir qu'un ferrous. Un ferrous et le reste d'iron, par contre, on va tout mettre. Parce qu'on est comme ça. Et on va pouvoir récupérer déjà tout l'iron fondu. Est-ce que le molten, on peut le laisser? Non, on va le laisser. En attendant, la lave, alors je sais pas si elle est censée descendre, mais normalement oui, elle est censée descendre. Donc ça voilà, donc ça va consommer un petit peu de lave. Ok, il va falloir que je me vide un petit peu l'inventaire. Non, c'est voilà, et il va me falloir. Alors, il faut que je garde. Alors, j'ai envie de tester ça quand même.
on peut le mettre. Ah, il disait quelque chose. 50 U. Régénérateur, ok, 50 U. Et sinon... Genre, c'est... Ah non, 10 U particules ou 4 U. Et là, c'est... alors ça délivre plus, mais c'est moins... Ouais, ça a beaucoup moins de capacité. Ah, ou dans le steering engine, 1 mégajoule par tick. Ouais. Ouais, je sais pas ce que ça vaut. Actuellement, je suis à combien? Là, je suis à 1 mégajoule par tick. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Ben non, en fait on va juste rempoter en lave. Voilà, de temps en temps on fera ça et puis c'est tout. Ok, comment ça se fait que t'as poussé là, toi? Je t'avais mis là. Bon, pourquoi pas. Linvar. On va quand même avoir Linvar. Alors, Linvar. On a du Molten Iron. On a du Molten Linvar. Voilà, alors là, on a Linvar, on a Stilingo. On va cliquer dessus. Voilà, et en cliquant dessus, c'est passé en dessous. Vous le voyez peut-être pas, mais c'est passé en dessous. Donc maintenant, je clique droit dessus. Et là, j'ai récupéré un lingot d'Invar. Donc on va continuer. Et trois lingots. Le fer, enfin l'iron, on a 30 lingots. Pour le moment, on va le laisser dedans. Ça a consommé. Qu'est-ce qui... Dégage. Et toi, tu vas mourir également. Créature des enfers. Tiens, donne-moi ton os. Et ta flèche, même si ça me sert pas grand-chose. Merci pour l'orbe. Ok. Bon. Donc voilà. Donc on continue, on continue, on continue. Donc là, on a trois... ça me saoulait. Donc on a encore... mais c'est pas possible. Voilà, toi t'es... voilà. Quoi ce truc? C'est un Enderman avec un hat. Comment je l'ai trop géré? Dommage qu'il m'ait pas pris l'Ender Perle. Ars Magica. Ah oui, c'est vrai qu'on a Ars Magica. Je connais pas du tout ce mode. Mais il paraît qu'il est énorme quand on sait le maîtriser. En tout cas, pour le moment, tout ce qu'on... What? Ok. Ok, ok, ok. Que je devrais pas, mais là, état d'urgence, je mange. Bon.
ouais, pour le moment, on va économiser un peu notre bonne bouffe et on va passer sur le zombie parce que sinon on s'en sortira pas au niveau bouffe. Et surtout, j'ai envie d'avancer. Bon allez, hop. Non mais lâche ça. Hop. Voilà d'autres. Ok, on en a 14. On peut encore monter, résultat. 14. On peut monter d'un étage. Il faut surtout éviter de tomber dans le shered, sinon on va mettre du sang dedans. Alors qu'est-ce que ça fait exactement, j'en sais pas grand chose, mais à mon avis ça doit piquer. Bon, Molten, ok, bon. Ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre dans des... Ouais, mais ça n'a pas grand intérêt. Bon, l'iron, on sait que si jamais on a besoin... voilà. Autre chose intelligente à faire, c'est de se faire plusieurs smelteries. Et de... d'en extraire comme ça les minerais. Ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va prendre tout ce qui est cobble. Et si mon chat veut bien arrêter de gueuler parce qu'il commence à me saouler. On est déjà à 46 stacks de cobble en une cuillerie. Ouais, elle va pas tarder à toucher le fond, je pense. Je tenterai bien. Mais bon. On s'en fout un peu en fait. Alors, vous, on est où? Vous continuez à avancer, c'est bien. On va peut-être refaire un aller-retour pour aller rechercher de la lave. J'en ai un dans la main. Où est mon troisième tank? Il est là. Donc on a déjà des tanks à les recharger. Bon. Quoi qu'il en soit, on a notre on peut faire notre hache en Invar. Donc on va prendre il nous faut deux bâtons, donc on va prendre deux planches. On a notre Invar sur nous. Donc c'est parti, hache en Invar à ne surtout pas utiliser parce que le moindre damage dessus est il est foutu. Voilà, j'ai mon axe en Invar. Donc ça c'est pour faire le harvester. Le harvester de Mine Factory Reloaded. Alors il me faut les shears, il me faut les plastic sheets. De l'or on en a. On en a, donc on a l'or, on a la machine frame. On a le... C'est le transmission coil hein, qu'il nous faut. Reception coil, donc c'est l'autre reception coil, on l'a. Les plastic sheets,